presque chaque jour, et moi-même dans le moment ça, et éventuellement, puis t'as nous capable de gagner Jean-Aubert. Hier, Jean-Aubert pâté là, M. Tal couvrait une grosse conférence de presse et qui tabaye dans Washington DC, qui c'est Anna Presley, tabaye, t'es gagné Frederica Wilson qui était là, gagné Sheila, chef Phyllis McCormick qui était là. Il t'a parlé de ce qui est en question qui est toujours dans l'actualité concernant la communauté haïtienne. Il t'a parlé de TPS. Il a demandé pour l'administration Biden-Harris là, pour être capable de redésigner TPS là, ou bien prolonger TPS là, donc dans pile pression qu'a fait sous gouvernement, surtout que Ariane Mayorkas, qui est secrétaire et département sécurité intérieure ou bien national, les États-Unis, lui-même, il peut pour côté, ouais, question comme ça. Il faut donc 2024, là, son année électorale, question immigration, l'innocent débat, l'innocent agenda, tout candidat qui prend le gain pour faire campagne. Donc, ça veut dire que l'administration lui-même la prend pile précaution dans la décision que la prend qui a un rapport avec l'immigration. Nous sommes capables de tout que nous avons parlé dans l'actualité, la rencontre qui a gagné entre le secrétaire d'État américain avec le président et pays Guatemala et sous question immigration régionale. Et donc, c'est pour dire que l'immigration est très importante. Il n'y a pas seulement dans la conférence de presse, il n'y a pas seulement question immigration, mais ouais, tout crise qui a saccagé pays d'Haïti, déportation, tout. Donc, et ça fait que Jean-Robert Patla était capable de suivre un reportage que Jean-Robert a présenté. Il n'était pas seul dans le rendez-vous, mais au capable tout aller sur toute plateforme, nous avons besoin de reportage. Ça qui, bon, une idée de ça que a été dit dans la conférence pour la presse. En entrant dans le pays d'Haïti, actualité dans le pays d'Haïti, et c'est le conseil présidentiel transition, hein, qui toujours dominait l'actualité et toute bagarre pour que j'en finisse clair au niveau conseil. Donc, pour qu'on y ait un nouveau développement, chaque jour, un nouveau développement dans le conseil. Bon, d'abord, il faut dire que le conseil a lui-même été réuni. Et c'est un conseil des ministres, un conseil présidentiel de transition avec le gouvernement démissionnaire. Donc, ils ont rencontré et ils ont pris plusieurs décisions. Il y en a là-dedans, c'est que yo renouvelé mandat juge Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui sont gros décisions parce que juge ça yo là pour yo régler tout litige qui gagne et tant qu'on non deal c'est Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donc yo gon gros rôle que a joué donc yo prend décision ça donc l'autre développement qui est très important concernant le conseil présidentiel de transition c'est que t'es gagné, yon sa yorele, yon présidence tournante. Ou elle est le présidence rotative tout, ça veut dire yon t'a fait le tour avec 4 membres. Mais tout à coup, gen Monsieur Smith Augustin lui-même, qui dit, nous connaissons, on prend, nous dit gen 9 membres, gen 2 qui pas gen droit de vote, et t'es gen 4 qui t'es candidat dans sa yote rele avant élection yo, et ben 4 sa yo même, eh bien, leur fin fait, au lieu que vous faites élection, vous font acclamation côté que Edgar Leblanc fiste tourne président. Eh bien, t'es gon tolé, et t'es vingé ça aurait les majorité et inamovible, même si t'as voulu. Et donc, t'es vingé 4-3. Donc, yo dit que c'est pas un bon système parce que selon à quoi, yo t'es parlé de élection, mais qu'on y a son pas acclamation. Donc, qu'on y a ça, vous venez faire, yo dit bon, ok. Pour jouer une entente pour gagner un style de président rotatif et ou bien tournant si vous voulez. Donc chaque moun sa yo a fait 5 mois jusqu'à février 2016. Mais tout à coup gagne Smith Augustin qui dit lui-même eh ben faut la donner et en tant que membre du conseil. Et donc Fritz Jean lui-même qui normalement t'es doué dans liste qui dans liste là l'État pral immédiatement après 5 mois que Edgar Leblanc fils t'a fait, eh ben l'État pral fait 5 mois par là. Mais comme monsieur mandé, eh ben bon, ok, Fritz Jean dit, ok, bon, pour éviter toute cause, il est à l'école, donc on a c'est Smith Augustin qui pral en deuxième position. Mais tout ça pour qu'on gagne un lien de formel, parce que décision ça pour qu'on paraître dans le journal officiel PIA le Moniteur. Il y a un monde qui a analysé qui dit que pendant que toute tractation ça a fait, pendant que il a fait tout arrangement ça a fait, eh ben situation pays a toujours même genre
toujours gen moun kap déplacé qui par contre côté priorité, toujours gen problème et au niveau économique, dans grand goût, crise humanitaire, toujours gagner même problème ça. Déplacement d'un point à un autre, toujours pour qu'on ka fait, bien que gon ti calme, yo senti tout petit, kay et gang yo, mais toujours tant temps gen tiré, gen moun ki mouri nan porta ile organ, et donc, ça veut dire que c'est toujours en situation très tendue. Pendant que ou senti que, et ça c'est analyse yo kap di, pendant qu'on senti que mou, tout conseil président cette transition a fait toute tractation ça yo, comme si c'est dans les conditions normales, mais situation pays a toujours été et en difficulté. Et puis l'autre point que nous capables signaler, c'est que autorité et aéroportuaire yo di a travail pour li aérien yo capable reprendre vol yo dans aéroport et tout ça l'ouverture là, et parallèlement gain tout et gain avion militaire américain qui continue à débarquer dans aéroport tout ça l'ouverture là. Yo priorité poté notamment équipement que yo poté, donc et les États-Unis voulaient poté voyer matériel by PNH avec l'armée pays d'Haïti. Donc dans moment on a parlé là, aéroport international Toussaint Louverture là toujours pas fonctionnel pour transport aérien, pour transport et public aérien. Et nous te connaît que t'es gagné un paquet d'exigences que assurance t'a fait li aérien yo par rapport à ça que incident t'est passé côté que eh ben gang t'est tiré sur un avion. Donc situation toujours être comme ça. Dans au cap même et au cap lui même lui continuer et c'est seul aéroport cap desservi pays a pratiquement en termes de transport li aérien yo. Et pendant ce temps tout, dans l'autre point d'actualité, c'est question canal là. Il y a un gros de l'eau qui débarque. Nous, le canal là, t'as même immergé même. Eh ben, il a expliqué techniquement, nous, t'as des ingénieurs qui expliquaient techniquement, et ça crivait, mais, un bruit de corruption tout. Depuis qu'il y a l'argent dans le pays d'Haïti, toujours gagné, si le bail ça y a que bruit de corruption. Est-ce que c'est corruption ou bruit de corruption? Mais, nous, il y a un correspondant qui sous place dans, et l'autre bois, n'a pas les Jodelet Junior Saint-Ville, lui-même n'a pas laissé joindre avec membre comité canal là pour y'a capable de faire le jour, pour y'a capable de faire la lumière sur ça qui rivière. Donc, en attendant, eh ben, gros de l'eau ça, eh ben, les saccagés, rivière massacre là et canal là, il a pris un coup. Donc, mais nous-mêmes, nous pouvons comprendre bien que, et ingénieur dit que c'est des bagages qui normal, c'est des tests que t'as déjà fait déjà, y'a eu rien qui a sauté, peut-être que public là qui pas comprendre les choses, capable yo même fait être chaud mais pas gain il dit pas de panique, pas gain problème, donc yo mettre poser net et sous situation ça. Donc n'a gagné n'a bon rendez-vous plus tard dans rendez-vous info pour capable gagner plus explication sous frontière ça. Et puis et l'autre point dans actualité a eh ben semaine dernière yo t'es gon arrestation qui t'est faite. Et c'est madame Nelly Verpil Broyer qui c'est secrétaire général Sénat haïtien, il était arrêté. Et c'est juge là qui était tendel qui fait yo mettel en dépôt. Donc gan pile causé qu'a parlé sous dossier ça et t'as semblé que gan pile gon chaîne de corruption dans question ça et donc nous par contre on est exactement ces juges là. Et qui connaît pendant ce temps madame ça lui-même li dans prison journée aujourd'hui et gen moun k'ap lever la voix pour dire pour yo la gueule parce que t'as semblé que yo arrêté injustement. Nous même journalistes nous pas connaît seulement nous t'es capable ouais et arrestation en fait nous les madame dans monter dans machine menotté y a menen dans prison. Donc c'est madame Nelly Verpil Broyer qui sont moun qui gen yon carrière nan Sénat et il était venu monter et était gen avocat qui te prend la parole mais qu'on y a gen moun kap qui a levé la voix kap mandé pour yo la gueule. Donc c'est une autre question corruption encore parce que yo dit dossier ça il pas seulement gen madame Boye la donne gen l'autre moun la donne gen des parlementaires gen des sénateurs qui yo même tout assemblé que yo impliqué dans sac pas ça. Donc n'a suivi pour c'est un dossier qui était pratiquement tout l'ouvri li devant la justice. N'a suivi pour on quitte Haïti qu'on y a pour aller dans actualité internationale. D'abord gagner et actrice porno Stormy Daniels
qui a retourné dans le tribunal jeudi encore. Nous connaissons le procès avec l'ancien président républicain américain Donald Trump concernant allégations, accusations comme quoi il était les mêmes avec l'ancien président Donald Trump, tenant petit bouboutage, petit amoureuse et il était même acte sexuel. Et il était payé en 2016 $130,000 pour acheter silence pour ne pas mettre cacachat là dehors, pour ne pas déranger campagne. Monsieur Donald Trump qui t'a pas le vin tourner et président des États-Unis. Mais ça qui était drôle encore, c'est que dans le dernier témoignage que madame Stormy Daniels bail, eh ben, il fait qu'on est que, eh ben, il paraît, Donald Trump, lui-même dégoûté avec monsieur, il dit monsieur font pas quatre bail qui passe ça, il dit que même le la fait acte sexuel, il va te sentir dans poli, monsieur pas mettre préservatif. Bon, Valérie dit capote directement lui-même et ça Valérie dit dans le reportage là. Donc ça veut dire un paquet de bagaille qui très embarrassant dans procès et même avocat et ancien président Donald Trump te même demandé pour procès ça pour annuler procès ça mais juge qui a mené procès et ben il dit que pas gain causé et comme ça. Donc ça veut dire que je dis encore Stormy Daniels gain pour répondre question membre jury, nous connaît que jury a 12 membres la donne et lui-même souhaitait que pour ta pour condamner ancien président Donald Trump et puis mettre le dans prison. Donc c'est ça que t'a remis, mais je dis encore et tribunal là dans New York a ouvert avec question que gain pour madame Stormy Daniels qui s'est vedette porno ça que ancien président républicain Donald Trump t'a semblé tes noms et affaires ménage, affaires sexuelles et autres. Et puis, l'autre point d'actualité, c'est toujours guerre Israël-Hamas là, qui arrive dans un niveau qui est très, très, très critique, parce que dans le moment où on a parlé là, toujours une pression, toujours une menace pour l'armée Israël à entrer tout bon vrai dans Rafah. Nous dit tout bon vrai dans Rafah parce que ils ont déjà commencé à entrer déjà. Ils ont même commencé à boucher quelques passages pour empêcher que l'assistance humanitaire ajoigne mon Gaza. Eh ben, hier, Israël a pris une décision pour ouvrir passage là, bien que Nations Unies dit que lui-même beaucoup en mesure pour porter assistance dans Gaza, parce que pas de monde qui calé, parce que tout le monde est obligé et déserté. Et selon Nations Unies toujours, eh ben, il y a 80 000 monde qui t'a quitté Rafah, parce que l'Israël t'a demandé pour tout le monde évacuer la zone, eh ben, moun sa yo, t'es gant pile qui t'a quitté. Faut dire que, il y a moitié et population Gazaouia qui, dans Rafah, qui t'est venu pour un refuge dans Rafah, il parlait de 1 million, il parlait de 1 million 200 000, il parlait de 1 million 500 000. Donc, mais gant pile moun qui quitté 80 000, d'après ça que, Nations Unies a dit. Pendant ce temps, gagné les États-Unis lui-même qui a fait pression sur Israël pour vraiment pas mettre menace en application pour ta débarquer dans Rafah avec une opération grande échelle. Et États-Unis bloqué une cargaison qui gagne bombe la donne, qui gagne l'autre munition, et ben dit la camper si vraiment Israël pas camper sous projet le gagner pour lui aller dans Rafah. Et Israël, que c'est Galante, qui c'est ministre et défense là, que c'est premier ministre Benjamin Netanyahu, il dit que yo pas capable de finir le travail là si yo pas débarqué dans Rafah. Et yo croit que, monsieur Amasio, yo même, yo allé avec otage dans Rafah, essayer là à le cacher. Et Israël dit faut l'attaquer. Pendant ce temps, tout, l'autre pression qu'a fait sous Benjamin Netanyahu, le premier ministre là, avec famille et otage. Parce que famille otage voulait pour joindre un cessez-le-feu. Nous connaissons toujours un cessez-le-feu qui a essayé de joindre et c'est Qatar avec l'Égypte qui ont même cap essayé ouais de quelle mesure que capable de joindre un accord, de tout près joindre un accord parce que gagné Hamas qui était d'accord avec accord et puis Israël dit c'est inacceptable parce que et Hamas lui-même lui ouais qu'elle a libéré otage et puis cessez-le-feu a et ben guerre a fini. Tandis que Israël lui-même dit pas qu'il carré sa pièce, il y a pas de question que guerre a fini, faut débarquer Rafah et puis pour résoudre question. Donc
Ça veut dire que c'est situation ça qui gagne dans la région Moyen-Orient. Pendant que gagne l'autre guerre toujours qui continue, on a parlé de la Russie lui-même qui a mené une guerre contre l'Ukraine. Donc, situation était compliquée tout et l'autre bois. Donc, toute grosse réunion qu'a faite dans le monde, tout qui était met Xi Jinping, président chinois, qui est allé dans les Pyrénées, qui rencontrait tout avec Emmanuel Macron dans le pays de la France, que c'est roi Abdallah II qui rentrait aux États-Unis, qui rencontrait avec le président Joe Biden, ils ont tout parlé de guerre dans la région Moyen-Orient. Donc, c'est une guerre qui pratiquement fait la une de l'actualité internationale. Et puis, nous quittons avec un petit boule. Hier, nous avons pris plaisir, nous pas bon ici. Et nous dit nous pas bon ici. Le journaliste ou pas de position. Donc, nous pas dit ça, c'est pas moi qui pral dit que, et gentil Augustin Junior, et Jean-Marc Hervé Abella, tout nèg ça, c'est fanatique Real Madrid. Comme nous pas de bonnes nouvelles, mais nous prend plaisir, nous sorti loin, mais, et monsieur français, yo, il parle bien français, il dit que Real Madrid immortel. Et c'est vrai avec Carlo Ancelotti qui lui-même Carlo Ancelotti gon culture avec Bayern de Munich. Pas n'importe qui club, c'est Bayern de Munich. L'on dit Bayern de Munich, c'est un plus grand club qui gagne dans l'histoire football qui pionne un club qui plus titré. Et ben Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur pas jamais perdu devant et Bayern de Munich. Donc, Pipiti qui fait son match, mais après ça, pas jamais perdu devant et Bayern de Munich. Donc, hier, match a été miel. L'homme garde 87 minutes de jeu, dès que tu as pris un arrêt de jeu. 1-0, tu as mené parce que dans le match, il était fini 2-2 à Munich. Et vous êtes dans le stade Santiago Bernabéu. Ou imaginez le stade Santiago Bernabéu qui était tout près perdu match là. Et puis, nous, qui a un match là fini, et tête chargée 2-1. Il faut le faire. Donc, c'est à un super Vinicius. Et puis, Carlo Ancelotti, il y a qui dit, expérience grand monde, c'est dans la tête liée. Donc, rendez-vous, c'est le 1er juin à Dublin, côté que nous pourrons gagner, yon final. Borussia Dortmund, qui est un club allemand, qui pourra jouer contre Real Madrid, un club espagnol, qui remporte déjà compétition ça 14 fois déjà et il y a derrière un 15e et monsieur ça même il déjà remporté Liga. Il était 4 journées mais champion, mais il faut le faire. Donc ça veut dire que et c'est un club qui a bien passé et bon, il a critiqué tout et Kylian Mbappé qui pas réussi voyer Paris Saint-Germain en finale. Yo mettait en yo clagant pile critique sur lui, yo dit depuis l'émission pas crainte pas peur pour ça que peuple haïtien a connait en bas mené examen pour ta osé vin demander peuple haïtien ou bien moun ki pral gagner moun ki le poste décisif yo pour y al négocier avec bandi ou y a chita parler avec les criminels ça yo qui fait autant de sang couler dans pays à blesse personne. C'est vrai en pile c'est des opprimés mal orientés, mais pour qui ça moi même ou même nous pas faire même choix avec yo. Nous te prenons option. Parce que nous connaissons, c'est vrai, ou pral dans gang nan, ou a fait l'argent, ou a fait belle machine pendant un coup de temps. Ou a cherché belle femme. Parce que y a un pile dans mesdames yo, qui pas de patience pour yotan. Et un pile dans yo tout, ap nan courri, avec bandi, je ne jodi yon. Et pas de ou pas moi. C'est mobilisation dans tout niveau, dans toute ville, province, dans toute zone, tout bandi qui a chapé pour nous battre ça au mérité. Parce que vous faites un paquet de temps qui a fait nous crier. Et il y a plus violent tout. Évitez tout espace que nous croisons avec vous. Je veux dire, si nous avons dirigé là, par rapport avec ça, qui a décrit, dans le déploiement, dans le ensemble des matériels, blessé personne, ou à couvrir fait que vous avez déclaré sous pays, c'est que vous avez déclaré couvrir fait. Sous différents axes outils, que vous avez contrôlé avec les bandits qui ont contrôlé pour éviter ça. Parce que les bandits ont kidnappé les gens, pas de paquet, pour aller entasser dans la base. Normalement, pour faire bouclier, il qui a parlé. Parce que après, les gens qui étaient dans le quartier, pour faire, ils ont fait quitter le quartier, pour retourner. Les gens ne sont pas retournés. Ils ont c'est des passagers qui ont fréquenté ton son qui ont kidnappé. Si les gens qui ont dirigé le pays ont besoin de comprendre ça, ce n'est pas les gens qui doivent dire. Parce que, ils ont même tout. Si vous n'avez pas dirigé pour Haïtiens, qu'ils ont entendu, ils ont été croyés là, personne. Et ils ont son paquet de coquins, un paquet de mesdames qui l'a dirigé pour Haïti, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas entendu.
En nous avec Esaïe Bouchard, on l'a séquence là, monsieur. Faut gagner une commission d'enquête qui moutait pressé pour le travail de concert à ensemble entités dans l'État qui chita sous question corruption. Commission d'enquête et de vérité, ça doit travailler de concert à ULCC, à ICREF, à Cour supérieure des comptes pour nous capables de mener une enquête sous grabji administrative pendant 34 mois pour voir sans voir ni loi Ariel Henry a fait pays. Parce que jodia moun sa yo crasé finance l'État et faut que peuple joigne bonjour vérité sur ça qui passé pendant 34 mois de gestion pour voir criminel de facto Ariel Henry. La dit la presse dans même logique corruption qu'a fait là gagné monsieur yorele Jean Lambert, ce qui c'est youn dans responsable immigration. Monsieur ça disparaît plus passé 1 milliard de gouttes. Monsieur ça pas jamais voyé moun à prendre formation l'autre bord parce que mesdames yo l'estimé c'est sous bureau pour venir prendre l'aide pour l'autre bord ou bien mettre dans drum pour baïol. Monsieur Lambert bay madame li contrat sur question sécurité dans immigration. Monsieur Lambert a fait un paquet de passeport tribo babo pour des moun nous pas penser. Jodi a des talibans qui fait passeport. Je dis à quelqu'un en Arabie Saoudite qui a fait passeport, et puis c'est passeport haïtien qui a gagné. Je dis à quelqu'un des terroristes qui sont sortis dans l'Asiatique là, qui viennent faire passeport. Monsieur Lambert nous demande pour qu'il y ait une bonne enquête qui mène sous lui, et monsieur Lambert, pour qu'il y ait l'autre côté de place lié, comme pour qu'il y ait pénitentiaire, au moins il va nous marrer pour nous voir dans la prison au cap. IGF, qui c'est Inspection Générale. Finance doit faire un bon rapport détaillé sur compte trésor pendant 34 mois de fonctionnement pour voir criminel de facto Ariel Henry pour dire pour faire un bon rapport finance économique pour nous connaître combien de coffres qui dépensent dans l'État. Et c'est l'une des raisons nous demander pour que pressé président Gadi Leblanc mettez commission vérité à enquête pour enquêter sur dérive qui fait dans l'administration de l'État. N'a demandé pour finir, n'a demandé CPA dans le cadre de la coopération internationale pour en pour parler avec Venezuela rapide de manière à ce que vous jouiez gaz à la caillou et c'est un plus bon gaz de bonne qualité à bas prix. Il faut nous privilégier les relations États-Unis, Canada, la France, comme une dans le monde, pour nous avoir une relation privilégiée avec eux. Il faut nous demander nous une bonne aide humanitaire, mais en même temps, il faut nous demander une aide développement pour séparer un rapport qui gagne entre colons et esclaves. Dans ce sens, nous demandons pour nous avoir une aide humanitaire, il faut que nous venions avec aide développement pour nous mettre du job dans le pays. Parce que le pays a besoin de bon genre de développement, parce que c'est Moun Sayo qui traîne nous là, parce que nous sommes un rapport sorti qui dit que c'est les États-Unis qui sont un côté qui a financé, qui a vendu, qui a alimenté dans le pays. Koulin, là, on regarde Maternel Rémi, c'est parce que c'est le dernier monde qui va regarder. Et nous-mêmes, comme avocat, là, c'est l'avocat qui prend la position, nous-mêmes, comme avocat, nous sommes toujours allés dans la logique de la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que nous sommes avocats. Et deux, moi, j'étais attaché à ça, va dire. Il y a quelqu'un qui va dire, pour qu'il s'en aille dans la Cour de cassation, puisque il y a un problème, il y a une confusion au niveau des constitutions. Eh bien, Mabzou, si tu es la Cour constitutionnelle, qui est-ce qu'à trancher sous qu'on est sous qui régime lié, est-ce que nous sommes amendés ou si nous amendés? Eh bien, nous t'avons dit, écoutez, il est important pour nous comprendre, est-ce que qui arrête et dit, nous ne sommes pas amendés, nous ne sommes pas amendés. Puisque amendé a des problèmes, amendé version que l'on a pas publié, on ne peut faire appel à la constitution amendée. Donc c'est dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous disons, écoutez, il est important pour nous aller dans 187 qui permet de nous puiser, qui est aller vers le pouvoir judiciaire, vers la Cour de cassation. Donc je dis à l'emploi, c'est extrêmement important
pour que nous-mêmes nous toujours aller dans la logique de la Cour de cassation et jouer une solution qui est rapide. Parce que il y a une distance dans le CPT1, mon âme, mon âme victime, etc. Mon âme bataille pour intérêt, nous-mêmes comme avocats, nous ne pas arrêter dans la question de bataille pour intérêt, nous obliger à aller vers la solution la plus simple, la plus économique